Entraînement des jambes au Hilton de Los Angeles. Circuit training, quadri, ischio, presse, fente, mollet, abdos, étirement. Pour être bien en forme, avec ma partenaire, Madame Veil. Pour pouvoir démarrer une bonne journée et aller à Hollywood. La fatigue s'installe avec le décalage horaire. Le jet lag est un petit peu difficile. On essaye quand même de faire avec. En plus, avec un réveil à 2h du matin, avec des alertes sur nos téléphones comme quoi Los Angeles était en feu. Bon, on ne savait pas où c'était, on ne savait pas ce que c'était. Donc c'était un petit peu affolant, mais bon, ça va, c'est pas non plus... C'est un feu qui a fait brûler un pont où maintenant on ne peut plus passer. Voilà, c'est ça. On essaye de manger le mieux possible, ce qui est difficile à Los Angeles quand vous êtes dans un hôtel. Donc on fait un repas, on va dire, entre guillemets, malbouffe. Et le soir, on fait protéines avec des fruits et des choses comme ça pour contrer un petit peu justement cette malbouffe. Bienvenue à Hollywood. Hollywood, où on tombe sur la sortie du film Hunger Games. Avec les acteurs, avec tous les groupies. Donc, des étoiles plein les yeux. Le monde hollywoodien dans sa splendeur. Avec son effervescence. Ce qui calme, c'est le parking, 25€. Les boissons, enfin la vie est très très chère aux États-Unis, elle a énormément augmenté. Donc à savoir que aux États-Unis, déjà à Los Angeles, on a du mal à se déplacer si on n'a pas de voiture. Et tout est payant, tous les parkings sont payants. Enfin c'est à réfléchir quand on part. Voilà, petite anecdote du voyage pour les gens qui veulent venir aux États-Unis. C'est pas la destination la moins chère. Pour un coaching, n'hésitez pas à me contacter.